Salut à tous, c'est Wilbos Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le 19e épisode de la saison 5 de Minecraft en survie sur Minecraft Wii U Edition Endgame. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode bien sympathique. Et quoi de mieux pour commencer cet épisode que par voir un peu les résultats du sondage que je vous ai posé dans le dernier épisode, tout simplement dans l'épisode 18. La question du sondage était de savoir si vous préféreriez des timelapses sur cette survie avec des vues extérieures ou sans vue extérieure, en sachant que les vues extérieures seraient un peu pixelisées car elles seraient prises en écran partagé sur ma Wii U. Vous avez été pas mal donc à me dire que vous préféreriez avec des vues extérieures de moi en train de construire. Et vous m'avez également dit, vous avez été beaucoup à me le dire en commentaire, qu'il y avait une option pour que l'écran partagé en fait de deux joueurs sur la Wii U, en fait on avait une option comme ça pour changer comment se représenter l'écran partagé. Je vous montre tout de suite, j'ai juste voilà ma petite manette ici. Alors je vais hop désactiver ce mode, allumer la manette et vous allez voir en fait c'est un mode, alors hop je vais mettre ça, je vais cliquer. Et donc non, voilà, c'est ce mode-là en fait que vous m'avez dit de prendre, qui me permettait donc tout simplement de filmer moins pixelisé si je prends une partie de l'image en zoom. Alors je ne sais pas, nous testerons ça dans les timelapses que j'aurai à faire dans le futur. Dites-moi aussi si c'était bien cette astuce que vous m'avez conseillée, parce que j'ai un peu cherché dans les options, j'ai trouvé donc cette option, je pense que c'était ça dont vous me parliez. Dites-moi en commentaire si c'était bien de ça dont vous me parliez. Donc voilà, en tout cas je vais hop quitter le jeu, merci pour cette astuce, je testerai donc mes prochains timelapses pour faire des vues extérieures, hein. C'est vous qui avez décidé dans le sondage de ma vie tout simplement, hop, de ma vidéo, je vais redéplacer, parce que sinon ça cache en fait les dédicaces que je vais faire en fin de vidéo, donc ce sera mieux comme ça. Alors bref, je vous propose donc d'attaquer tout de suite cet épisode dans le vif, car cet épisode est un peu spécial, car nous allons avoir une ligne directrice, un objectif principal à accomplir aujourd'hui, et ça va être de faire le maximum de potions différentes, car nous avons un objectif que nous avions donc commencé dans le dernier épisode, hop, qui va se trouver juste ici, hop, voilà ici, l'alambic, tout simplement. Nous avions déjà effectué plusieurs potions, et l'objectif c'est donc de faire toutes les potions du jeu, du jeu Minecraft, tout simplement. Donc on a déjà une potion de force, de résistance au feu, de rapidité, de poison, de chute lente, donc je vous promets pas de faire toutes les potions parce que ça représente quand même beaucoup de farm, mais on va essayer d'en avoir un maximum. Donc il faut avoir des peaux de lapin, des pattes de lapin, voilà, il nous faut des pattes de lapin, il nous faut des yeux d'araignée fermentés, je ne sais plus exactement comment ça se fait, il va falloir que je cherche ça. Il va nous falloir aussi des pastèques, et c'est là que un souci va se poser en fait, c'est que sur cette map, vous pouvez le voir sur la petite carte en bas à gauche, il n'y a pas de biome tropical. Il n'y a pas non plus de biome océan. Et pour faire toutes les potions du jeu, il va nous falloir en fait des tortues, des carapaces de tortues, sauf que les tortues ne se trouvent, je crois, que dans les océans. Et les pastèques se trouvent que dans des biomes tropicaux. Sauf que bah, nous n'avons pas de biomes tropicaux ni d'océan. Du coup, ça va poser un petit problème. Donc là-dessus, j'aimerais savoir, vous aviez en commentaire s'il n'y a pas d'autres moyens d'obtenir des carapaces de tortue ou des pastèques. Mais je crois que ça va être un peu chaud. Donc sinon, au pire des cas, on fera toutes les potions, sauf ces deux potions qui sont en fait impossibles à obtenir sur la map sur laquelle je suis en fait. Donc ce que je propose, c'est peut-être d'aller dormir parce que la nuit tombe, hein, et j'aime pas quand il fait nuit. Parce qu'il y a des monstres la nuit et c'est pas cool, hop. Donc, on va tout de suite dormir, comme ça au moins ce sera fait, voilà. On a un beau, lever de lune en plus, hop c'est bon, hop, on y va. Ce que je propose en premier, premier ingrédient à chercher, ça va être les pattes de lapin. Alors déjà, lapin, où est-ce qu'il y en a? Je sais pas trop. Alors je me souviens par contre que j'avais, oui, attendez, on va faire ça tout de suite, hop. Parce que j'ai pas mal de niveaux à ce que je vois et il me semble que j'avais, si je ne me trompe pas, un livre butin 2 que je n'ai pas encore utilisé. Alors attendez, je regarde. Yes, butin 2. Donc on va essayer de la mettre, en fait ce livre sur mon épée. Et cela va normalement nous permettre de récolter donc plus de butin quand on tuera un animal ou encore des mobs hostiles. Donc voilà, on va mettre ça ici. D'ailleurs, je remarque que je n'ai même pas de tranchant sur mon épée. Faudrait que j'en mette. Donc ici, on a voilà, butin 3, aura de feu 2, recul 2. On va même mettre le tranchant parce que je vois qu'on a assez de level. Autant se le faire tout de suite. Comme ça, on aura tout simplement une épée de folie. Surtout que j'ai vu qu'on avait un livre tranchant, il me semble. Alors, voyons voir. Ici, on a du tranchant 1, c'est pas ouf. Tranchant 3, voilà. On va faire du tranchant 3. Ce sera déjà pas mal pour l'épée. Bien sûr, on essaiera de se faire un meilleur tranchant par la suite. Mais déjà, ce sera bien cool. Faudra aussi qu'on upgrade un peu notre armure. Parce qu'on a aussi l'objectif de faire un full P4.
Du coup, hop, tranche en 3, voilà, c'est parfait. Franchement, on a une épée qui fait du 9 de dégâts, c'est pas mal du tout. Voilà, on va pouvoir essayer d'aller chercher les pattes de lapin. On va jouer un peu à l'alchimiste aujourd'hui, donc ça va pas être un gros épisode d'action. Mais il faut bien se dire que dans quelques épisodes, on ira combattre l'Under Dragon, ce qui fera un bon épisode d'action, voilà, par rapport à ces épisodes un peu de farming, tout simplement. Je pense que là, on a tout. Je vais juste revérifier une dernière fois si on n'a pas des pattes de lapin. Au cas où, quand même, ce serait bête d'aller chercher un truc qu'on a chez soi. Mais non, je ne crois pas. Et d'ailleurs, des yeux d'araignée, oui, il faudra que je cherche. J'ai pas le craft là, je le ferai pas dans cet épisode, mais il nous faut des yeux d'araignée fermentés. Je ne sais plus comment ça se craft. Ça fait longtemps, c'est des crafts qu'on utilise quasiment jamais, sauf quand on fait des potions, au final. Donc voilà, je ne le ferai pas aujourd'hui. Il faudra aussi qu'on fasse un beacon. Je ne vais pas non plus le faire aujourd'hui, mais il faudra qu'on en fasse un. Bref, allons chercher un peu nos pattes de lapin. Nous devons aussi... Ah, attendez, je vais faire 10 000 allers-retours comme ça au début d'épisode, c'est génial, j'adore ça. Non, il nous faudra donc, attendez, la canne à pêche. Voilà, la canne à pêche. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce qu'on va avoir besoin d'un poisson globe. Oui, je sais, on en avait déjà trouvé un et mangé un. C'est bête, parce qu'on en a besoin pour faire toutes les potions du jeu. Et d'ailleurs aussi, je pense que je ferai un peu d'hors caméra entre cet épisode et l'épisode prochain pour avancer un peu sur les îles et faire le commissariat donc des golems qui se trouvent juste là. Et pourquoi tu me suis, golem? Est-ce que tu veux me pousser dans le vide, hein, espèce d'enfoiré? Allez, bref, on va descendre dans notre petite fontaine. Juste ici, allez c'est parti. Donc, lapin, les petits lapinous, ils sont où? Alors, on va aller voir peut-être dans la forêt, je sais pas s'il y en a dans les plaines. Sinon on fera un petit cut tout simplement et j'espère en trouver assez rapidement. De pas passer la journée en train de chercher des lapins. Alors là-bas on a des vaches. Ça ne m'intéresse pas les vaches. Déjà, est-ce qu'on aurait des petits lapins ici? Alors je suis désolée, j'aime bien les animaux, les lapins aussi, mais là désolée je dois en avoir pour faire l'alchimiste. Donc ce serait cool d'en trouver. Alors, pas dans les grottes, ça m'étonnerait qu'il y ait des lapins dans les grottes. Vous voyez, c'est un truc un peu chelou. Alors là, je pense que quand même c'est pas compliqué à trouver les lapins. Ça peut être assez simple. Il suffit d'en trouver assez rapidement. Alors attendez, là ici on a des cochons, donc ça ne m'intéresse pas. Je sais pas si ici on pourrait genre avoir des lapins. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a une aura de feu, donc même si on voulait un peu de nourriture, c'est assez facile à prendre. Mais ouais, je sais pas trop. Ici on a un peu un biome marais en fait. C'est pas super intéressant. Revenons ici. Ah non, on n'a pas grand chose. Hein. On n'a pas grand chose. On a plein de moutons, de cochons, de vaches. Mais niveau lapin, on n'a pas beaucoup de lapins. Bah, sinon, on va se faire un petit cut le temps que je réussisse à en trouver tout simplement. On se retrouve tout de suite. Alors ici, nous avons des chiens, ce qui n'est pas utile. Moi, tout ce que je veux, c'est des lapins. Juste des petits lapins, si c'est possible. Non ? Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Purée, mais attends, c'est ça. Il y a des cochons, il y a des moutons, il y a des vaches, il y a des chevaux. Et il n'y a pas de lapin. C'est pas possible. Oh my god! Enfin, un lapin. Un lapin. Tout ce qui est plus lapin. Oh purée. Alors, s'il te plaît, tu vas me loot tout de suite. Non, 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 te barre pas. Lapin! Non, lapin! Je suis désolé. Petit lapin, mais j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il me loot? Il me loot, il me loot. Ouais, j'ai un trident, c'est quand j'ai tué des zombies tout à l'heure. Non, me dis pas qu'il m'a rien loot. Non, me dis pas qu'il m'a rien loot, j'ai passé tout ce temps. Attends, là, il y a un truc. Il y a pas de pattes de lapin. Bon, bah, il va falloir en trouver un autre. Attends, s'il y en avait un là, ça veut dire qu'il doit sûrement y en avoir d'autres ailleurs. J'ai juste pas dû les voir, faut pas que je cours, sinon ils s'éloignent en fait. Là, j'en ai vu un, attends, c'est sûr. Mais attends, il y a tellement d'animaux, c'est obligé, il y a des lapins. C'est obligé, j'en ai vu un, il pouvait pas être tout seul. Ça veut dire qu'ici, il spawn en tout cas. Oh non, mais non, sérieux, attends, non, je veux trouver un autre lapin. En fait, là, je suis en train de faire une vérité. La vérité sur le jump boost, la vérité sur le jump boost, c'est que... Bah, c'est dur de trouver des lapins. En fait, c'est ça, la vérité. La vérité sur le jump boost, c'est dur d'attraper des lapins. Au final, c'est ça. Non, mais attends, mais mec, c'est ultra chaud. Mais là, je suis sûr, il y en a, j'ai dû les louper. Il y en a, j'ai dû les louper, c'est trop chaud, quoi. Attends, ah. C'est bon, mais en plus, ça va être la looting 2, franchement, c'est ultra pratique. Faut-il trouver les animaux qu'on cherche? Les mobs qu'on cherche, mais sinon, c'est ultra pratique. Mais là, ça m'a pas porté chance tout à l'heure, en plus, il y a la nuit qui tombe. Oh, mais allez, s'il vous plaît, là, j'ai pas vraiment envie de passer la terre entière. Ok, je suis tombée. J'accepte ça, ok. Alors, attendez, quand même, là, ici, il devrait y en avoir. Allez! Allez, lapping! Lapping, lapping! Il me faut une tower. Je vais faire une petite tower, genre en bloc de laine, là. Et on va faire la petite tower à la recherche du lapin. Lapin! Ah, mais il n'y a rien, en plus, j'ai pas de seau d'eau. Je pourrais même pas mettre un seau, par contre, là, il fait nuit.
Oh, la proie est détectée. La proie est détectée. Nous avons un lapin ici qui part en courant. Reviens, reviens. S'il te plaît, petit lapin. Non. Le mec qui se barre. Non, reviens ici. Non. Tu reviens. Oh, mais c'est dur à tuer en plus. Je suis désolée, petit lapin. Je suis vraiment désolée. Je m'excuse profondément, mais... Ah, purée, mais c'est quoi cette blague? Au final, il est tombé en plus. Et il nous donne pas de pattes de lapin. Ouais. Ah non, mais ça va être méga long. Moi, quand j'ai commencé cet épisode, je me suis dit, bon, tiens, on va essayer de chercher des ingrédients pour les potions. Mais je pensais pas que ça prendrait autant de temps, là. C'est un truc de fou. Ok, nouvelle cible détectée, encore une fois, s'il vous plaît, c'est la bonne. Voilà. Non, mais sérieux, toujours pas de pattes de lapin. Mais attends, il y en a bien dans le jeu, au moins. Je suis pas fou, il y a bien des pattes de lapin dans le jeu. Oh, deuxième lapin. Oh, la chance. Il se met à loot. Oh, là, il y en a deux. Là, j'en vois deux. Attends, mec. Là, il y en a deux. S'il vous plaît. Pâte de lapin, non, pas de pâte. Il y a le deuxième, c'est pas grave, oui, boss. Tu vas réussir, enfin, tu vas avoir ta fichue pâte de lapin pour faire ta potion de jump boost. Allez, la vraie vérité sur le jump boost, le lapin. Non, mais le mec, il s'est barré de l'autre côté, mince. Ouh, lapin, reviens là. Je t'ai vu, je sais que tu es ici. Oh, il est, reviens. Non, mais cet épisode, il est what the fuck. Oh, j'y ai cru pendant un moment. Oh non, mais attends, même avec une looting 2, tu veux dire que j'arrive pas à avoir de lapins. J'arrive pas à avoir juste des lapins, quoi. Non, mais attends, sérieux, pâte de lapin, quoi. Attention, un lapin dans le désert. J'ai vu un lapin dans le désert, là. Je crois qu'il est tombé dans la faille. Oui, il est juste... Mais non. Mais il est bête, il vient de mourir. Du coup, j'ai pas eu ma looting. Bah, y a rien d'intéressant, du coup, là-dessous. Attends, même... On va se faire un petit plaisir, voilà, hop. C'était clairement pourri. Non, mais attends, par contre... Sérieux, quoi. Oh, là, il y a un lapin. Encore. Mais non, mais... Ma touche cape. Oh, là, il y en a deux. Oh, deux pour le prix d'un. Attention. Non, toujours pas. Bon, je vous dis, là, c'est le dernier. Si on a toujours pas de pâte de lapin, je prendrai une pâte de lapin hors caméra. Je chercherai des lapins. Et Dieu... Oh, non. Une pâte de lapin. Une pâte de lapin. Depuis le temps que j'en cherche une. Ça doit faire 20 minutes, une demi-heure que je suis en train d'en chercher une. Et j'en ai une. Une pâte de lapin. Ah là, non, mec. Je ne m'en sépare plus. Je fais pas de potion avec. C'est n'importe quoi. Oh, mais le temps que ça m'a pris. C'est un truc de folie. Je suis à l'autre bout de la map, là. J'ai traversé. Oh là, il y a un autre lapin, d'ailleurs. Oh, bah attends, là, on va faire le plein de potions de jump boost au cas où. Parce que là, si j'en ai besoin, mais attends, mec. Il y a 15 lapins. Même j'ai un peu la flemme en fait. Non, on va pas aller chercher les lapins. Mais purée, là, il y en avait plein. Mais il y a plein d'animaux là, c'est incroyable, je sais pas pourquoi. On va juste. Je suis désolée. Pendant cet épisode, j'aurais martyrisé les animaux. Je suis vraiment désolée, mais là, j'en ai besoin et j'ai pas de chance. Donc, les deux ensemble, ça fait que bah voilà. Alors, du coup, là, on arrive. Je pense qu'en traversant cette forêt, en bifurquant sur la droite, du coup, vers la droite. Et bah oui, le boss, là on devrait atterrir vers notre base. Ici on a des petits loups. On a une montagne. Oula, la montagne est géante d'ailleurs. On va essayer d'esquiver la montagne par la gauche pour retourner à notre base. Je vous retrouve tout de suite. Et regardez devant nous. Nous avons ma ferme à or. C'est un point de repère. C'est vrai qu'elle est pratique, cette ferme. Au moins, c'est un point de repère comme un autre. Ça permet de se repérer assez facilement, du coup. Là aussi, on peut remarquer ici une petite colonne, plutôt un petit pont de bois que j'ai fait pour le chemin de fer, tout simplement. Parce que je ne vous le montre peut-être pas en vidéo, mais j'avance un peu les objectifs hors caméra. Là-bas, il y a voilà, le chemin de fer qui avance, qui doit faire donc tout le tour de la map. Il y a aussi la farm là-bas qu'on commence à apercevoir, que j'avance au fur et à mesure. Donc voilà, il y a des objectifs comme ça que j'avance qui sont pas super intéressant, et bien sûr je vous les montrerai quand ils seront finis, bien évidemment. Donc hop, remontons. On va pouvoir se faire enfin cette potion de jump boost. Oh, mais depuis le temps là, depuis le temps qu'on la cherche, cette pâte de lapin là, crois-moi qu'on va l'utiliser à bon escient, hein. Alors du coup, je vais juste remonter vite fait à ma base. Deuxième objectif, c'est un poisson globe, donc on va un peu pêcher, je pense. Ce sera déjà beaucoup plus sympathique que d'aller chercher un lapin au fin fond de la map pendant 3 plombes, hein, clairement. Alors normalement j'ai déjà... Ouais, voilà, j'ai une potion étrange. C'est nickel. La potion étrange qui va donc nous permettre directement de nous crafter, hop, notre petite potion de jump boost. Allez, s'il te plaît, petite potion de jump boost.
Dépêche-toi. Ah non, mais j'aurais galéré. Je crois que c'est un des trucs depuis le début de la survie sur lequel j'ai le plus galéré. Ça m'a pris un temps fou, purée. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va enfin admirer notre première potion de jump boost. Alors, je sais, vous allez me dire, c'est pas économique, j'aurais pu en faire 3. Mais de toute façon, potion de jump boost, sérieusement, je m'en servirai jamais. Donc, hop. Autant la mettre et voilà, une potion supplémentaire. Ça m'a repris une plombe et demie. On va essayer d'aller pêcher un peu. Juste, je vois que la nuit tombe. En plus, j'avais pris ma canne à pêche, du coup, je l'ai pas fait. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps aussi. Ah, du coup, on va être fait dormir. Voilà, on a la nuit qui commence. Voilà, c'est bon. D'ailleurs, je vais aussi reprendre un petit seau d'eau. Ça pourrait être pratique pour faire des MLG. Voilà, je cherchais le mot des MLG. J'arrive pas à trouver. J'étais en galère là. Par contre, je sais pas. Bah, du coup, je vais prendre un seau. Tu vois, je me disais, mais ça va pourtant avoir un seau d'eau, mais non. Bon, bah, hop, juste ici. Je vais aller en chercher. Ce que je vais faire, je vais faire un truc un peu fou, je pense. Allez, on va faire un truc fou. Est-ce que vous êtes prêts à voir la folie humaine en moi? Hop, on saute là. On atterrit directement dans l'eau. Hop, nickel, j'ai récupéré de l'eau. On va pêcher donc un peu. Normalement, j'ai la canne à pêche sur moi, si je ne rêve pas. J'ai bien la canne à pêche sur moi, nickel. Et donc, ici, est-ce que vous êtes prêts? Petite séance de pêche, bien agréable. On va essayer de faire la danse du poisson de l'aube. Voilà, la danse du poisson de l'aube, vous savez à quoi ça ressemble. C'est un peu une danse égyptienne antique. Oh, dommage, c'était une morue. Donc, on fait la petite danse du poisson de l'aube. Voilà, la petite danse du poisson de l'aube, ça va marcher, je vous jure. Ça marchera un jour. Allez, allez, petit poisson de l'aube. Là, je vais te hameçonner, tu vas voir, ça va arriver plus vite que tu ne le crois. Allez, oh yes, yes. Encore une morue, c'est pas grave. De toute façon, j'en ai déjà eu, donc je sais que c'est possible d'en avoir, hein. Tu ne mourras pas. Faisons un peu le tour comme ça, voyons voir, s'il te plaît. J'aimerais vraiment en avoir un, comme ça on aura fait deux potions aujourd'hui, ce sera vachement cool. Parce qu'après, comme je vous disais, du coup, les potions avec les pastèques ou... Oh, encore une morue. Avec les pastèques ou un autre... J'arrive plus à me souvenir, c'était les pastèques ou... Il y avait un autre ingrédient en tout cas que je pouvais pas obtenir. Les tortues, voilà. Les tortues que je ne peux pas obtenir, du coup je suis un peu embêtée pour ça, mais j'y peux rien quoi. C'est la génération, s'il y avait eu un biome tropical, j'aurais pu me dire, tiens, il y a des pastèques. Mais là, non. Et du coup, même pour les tortues, c'est dans un biome océan, mais il n'y a pas de biome océan sur cette map. C'est incroyable, ça, quand même. Donc, proposez-moi vos solutions, hein, comme je l'ai dit. Mais voilà, comme ça, je ne sais pas trop. On va pêcher un dernier poisson. Puis, sinon, tant pis. Je le ferai hors caméra. Voilà, comme ça, je vous le dis. Je le ferai hors caméra et comme ça fera des potions supplémentaires. Je vois le poisson. Et s'il te plaît, poisson de l'aube. Eh ben dommage, c'était... Oh, un poisson globe. Oh, je l'ai même pas vu. Je crois que c'est lui que je viens de pêcher. Bon, bah du coup, poisson globe. Hop, c'est parti, poisson globe. On remonte. Et nickel, ça fait deux poissons d'un coup. On va pouvoir faire la petite dédicace. Et puis ce sera déjà la fin de cet épisode. On aura déjà bien avancé sur les potions. Là, je peux vous dire que fou, cet épisode, il aurait été long. Plus long que d'habitude, ça c'est sûr. Alors du coup, on va aller là. C'est parti, c'est parti. Hop, d'ailleurs, il va falloir, si je ne me trompe pas, c'est bien que j'ai pris de l'eau. Comme ça, on peut remplir ici. Je vais pouvoir faire... J'ai les fioles. Les fioles... Ah non, attends, les fioles, peut-être que je les ai mises là-dedans. Non. Non, elles sont en bas. Affirmatif, mon capitaine. Affirmatif, je sais pas ce que j'ai dit. Je peux pas en faire. Bon, bah tant pis, on va en faire. 3. C'est parti. Les petites fioles. C'est parti. Les petites fioles, comme ceci. Allez, on remonte. On va se les faire. Et normalement, tout devrait bien se passer. Je dis bien normalement. Mince, j'ai pas duré d'une heure. Normalement, tout devrait bien se passer, dit-il, en faisant 15 000 allers-retours. Du coup, bon, faut juste une. Et c'est parti. Eh bien, voici notre petite potion de respiration aquatique que nous allons mettre ici dans notre coffre. C'est parfait. Donc là, déjà, on en a 3. On a 7 potions. C'est déjà pas mal. Je sais pas exactement combien il nous en reste. Il nous en reste plus beaucoup. Donc, c'est cool. Je pense qu'on essaiera de terminer ça dans le prochain épisode. Il y a aussi un autre truc auquel je pense. Voilà, qui est juste là. Voilà, ici. J'ai farmé pas mal d'or. Donc, on le fera pas dans cet épisode. Mais vu qu'on a l'objectif aussi de faire des pump sheets, tout simplement. Donc, on fera des pump sheets avec cet or. J'attends encore d'en miner plus. Mais ça prend aussi du temps. Et nous allons le faire tout de suite. Avant d'aller faire notre petite dédicace de fin d'épisode, nous allons, hop, crafter, hop, plein de blocs comme ceci. Voilà, des blocs de fer en masse, mais parce que j'ai beaucoup de fer, et ça va me permettre de faire, hop, 10 golems de fer qui fait partie des objectifs, mince. Un de nos objectifs qui est donc de faire 10 golems de fer. J'ai 4 citrouilles, on va essayer de se faire quelques golems supplémentaires. On va en faire un ici. Voilà, je crois que c'est 10 le défi, je suis plus sûre exactement, mais je crois que c'est 10. Pourquoi ça marche pas? What? C'est pas comme ça qu'on fait un golem? Attends, je suis paumée. Si, c'est comme ça qu'on fait, attends. What?
Je suis pas fou, c'est bien comme ça qu'on fait. Attends, on prend 4 blocs de fer. Mec, c'est quoi cette blague? Pourquoi ça marche pas? Attends, ou alors la citrouille, vu que c'est une citrouille classique, je vais enlever, attends, interface utilisateur. Je vais enlever la fabrication classique, parce que c'est pas une citrouille avec une tête dessus. Alors peut-être qu'il faut faire une citrouille avec une tête dessus. Mais comment on l'a fait? Oh non, mais attends, ça continue la poisse jusqu'au bout. Non, alors là, non. Mince, comment on fait? C'est vrai qu'il l'a rajouté dans une mise à jour, mais au final, je sais pas comment faire, moi. Comment on dessine sur une citrouille? Au moins qu'attends, il y ait d'autres ici. Non, ça c'est pour les bannières. J'ai pas vraiment le temps de chercher dans cet épisode parce que je dois vite en fait finir d'enregistrer cette vidéo parce qu'après je dois partir de chez moi. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je chercherai ça pour le prochain épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire sinon si vous savez la réponse. On va aller vite faire la petite dédicace de fin d'épisode et mettre fin à cet épisode maintenant. Hop, le petit tableau juste là. Voilà, hop, le petit tableau qui est en fait un panneau tout simplement. Hop, donc on va descendre faire tout de suite ça. Je sais pas pourquoi les golems ça marche pas. Pourtant la dernière fois que j'avais fait un golem ça avait marché, je comprends pas pourquoi là ça marche pas. Ils ont fait une mise à jour entre temps, c'est horrible. Purée, pourquoi ça marche plus? Donc on va prendre cet arbre là, voilà tout simplement, cet arbre là, est-ce que vous êtes prêts? On va faire donc la dédicace du jour, hop c'est parti. Franchement c'est quelqu'un qui me demande depuis extrêmement longtemps une dédicace, je crois que depuis à peu près le premier épisode. Est-ce que vous êtes prêts? Il s'agit de Darkcraft, je te remercie de suivre mes vidéos, de laisser un petit pouce bleu, de commenter, sûrement peut-être de partager mes vidéos, et également de me suivre sur mon Instagram. Si vous ne saviez pas que j'avais un Instagram, n'hésitez pas à regarder dans la description. Merci beaucoup à toi, en tout cas Darkcraft, de suivre mes vidéos. On va donc mettre hop, le petit épisode 19 et on s'approche de l'épisode 20, hein. N'empêche, ça passe extrêmement vite. Alors, hop, petit épisode 19. Voilà, Darkcraft épisode 19, en plus t'as un gros arbre, regarde-moi ça, t'as le plus gros arbre de toute la forêt, hop, c'est super, voilà, c'est super. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez un maximum de dédicaces, à liker un maximum cet épisode de survie, car toutes les, tous les 15 likes, tous les 25 likes, je me paume complètement, tous les 25 likes, nous faisons une dédicace, donc à partir de 50 likes de dédicace, n'hésitez pas à liker un maximum cet épisode. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes futures vidéos. Et sinon, moi, je vais vous dire salut à tous, bye bye, c'était le Bass Gamer.